Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Bonjour tout le monde, on est mercredi aujourd'hui. Il est tard puisqu'il est déjà 8 heures passées. Je m'active depuis ce matin dans la maison parce que j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital. Donc du coup, faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant de partir. J'ai fait cuire mon pain, oui, je vous mettrai après une petite vidéo de mon pain sortant du four. Je suis trop contente pour une première, je suis fière de moi. Donc voilà, donc là je finis de me préparer pour partir à l'hôpital. Oh, j'ai un herbiquette. Pour partir à l'hôpital et puis nous on se reverra évidemment plus tard dans la journée. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Là il va falloir que quand je rentre je fasse ma cuisine parce que c'est le dawa complet. Je ne sais pas pourquoi ça y est, voilà. Il faut que je m'occupe de mon linge parce que j'ai pas encore eu le temps. Mes routines, le reste c'est fait, mais la cuisine, il faut que je fasse ma cuisine et il faut que je fasse mon linge. J'ai une machine là que je vais mettre en attente de séchage pour ce midi. Puisque nous, les heures creuses, c'est de 12 à 14. Donc du coup, je vais mettre le séchage en route pour tout à l'heure. Mon chéri rentrera tout à l'heure aussi. Mon fils va se balader avec un copain toute la journée dans une autre ville qu'ici. Ma fille, elle, pour l'instant, elle dort, donc je ne sais pas. Voilà, et puis moi il va falloir que je m'active parce que j'ai pas mal de choses encore à faire. Alors, à plus tard dans la journée. Bon, je viens d'arriver à l'hôpital, je vais vite aller m'enregistrer et ensuite, go pour le rendez-vous. Allez, je vous dis à plus tard. Je suis de retour de l'hôpital. Il était temps, je suis contente, ça va, hein. Donc il y a des bonnes nouvelles, donc... Rien à voir avec mon cerveau, c'est autre chose. Donc voilà. Donc du coup, ce sera un petit vlog aujourd'hui. Mais on va se retrouver en cuisine pour le repas de ce soir. Ce soir, on fait des tartines grillées avec de la salade. Et voilà, ça sera très bien pour ce soir. Pas trop compliqué, pas prise de tête. Voilà, ce sera parfait. Donc... Donc voilà, aujourd'hui vous aurez un petit vlog, mais ce sera déjà ça. Voilà, allez, je vous fais des bisous. On se retrouve en cuisine comme tous les soirs. Du coup, on va préparer le repas de ce soir. Ce soir, on fait des tartines garnies. Alors, il n'y a rien de plus simple. On prend de la baguette de pain, on coupe en deux, on la fend en deux, on la coupe en deux. On passe au grill, enfin, nous on passe au grill avant de la garnir. Et ensuite, on met la garniture dessus, ça repasse au grill quelques minutes parce qu'on met du fromage, donc histoire de faire griller le fromage. Et on mange ça avec une petite salade et c'est parfait. Donc du coup, là, je vais éplucher des oignons. On va les émincer, les faire revenir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à garnir le pain. Là, vous entendez mon four, il est en train de... mettre à température le grill pour que je puisse griller le pain qui est juste là, que j'ai déjà coupé. Voilà. Donc je vais le mettre dans le four et puis une fois qu'il sera un peu grillé, doré, on le garnira avec ce qu'on a à mettre dessus. Après, vous pouvez choisir la garniture que vous voulez. Nous, on met de l'oignon, on met un petit peu de crème, histoire d'avoir un peu d'onctuosité, du jambon, du fromage ou des lardons, ça dépend.
mais vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Hein. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous voulez garnir vos tartines. Il n'y a rien de plus simple, c'est un repas plutôt express parce que on se prend pas la tête et franchement, c'est très bien le soir. Voilà. Et puis c'est complet. Voilà. Allez, en cuisine. Allez, c'est parti. On va donc préparer déjà les oignons. On va les émincer et ensuite on les fera revenir dans de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol après. Hein. On peut changer les huiles. Hein. C'est important aussi d'apporter à son corps différentes sources de gras. De gras végétal. Donc dans les huiles, vous changez. Par exemple, une huile qui est très bonne avec les carottes, c'est l'huile de noix. C'est excellent. Donc moi, très souvent, quand je fais des carottes râpées, très très souvent, je peux utiliser de l'huile de noix que je mélange avec du sel, du poivre et évidemment du vinaigre, bien entendu, mais également avec de l'ail. En fait, l'ail et l'huile de noix avec les carottes, ça se marie extrêmement bien. Donc, c'est peut-être quelque chose à essayer si vous n'avez jamais fait. Voilà. En tout cas, vraiment, il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment excellentes. Donc, il y a l'huile de tournesol. Pour vos salades, vous pouvez penser à l'huile de colza aussi. Hein. Par contre, votre huile... alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'huile de colza. Oui, c'est l'huile de colza. Votre huile de colza, faites attention, il faut, je crois, la garder au frais, si je ne dis pas de bêtises. Parce que sinon, elle perd ses propriétés. Donc, maintenez-la au frais. Votre huile de noix... L'huile de noix, non, je ne la garde pas au frais. Non, c'est l'huile de noisette que je ne garde pas au frais non plus. L'huile de noix, je mets un petit peu au frais. Voilà. Si ça peut vous aider. Ça peut vous donner aussi des idées d'assaisonnement autre. Hein. Ça change un petit peu. Parce que l'huile d'olive... Sinon, en fait, on tourne toujours avec les mêmes huiles. Et c'est pas toujours bon de tourner toujours avec les mêmes huiles, en fait. Il faut savoir varier comme son alimentation. Il faut la varier comme... voilà. Comme on dit, on varie les plaisirs. Voilà. Voilà, donc on fait chauffer l'huile et on va mettre à revenir du coup les oignons. Enfin, j'ai pas mis au four mon pain. Ah oui, si je mets pas au four mon pain, ça risque pas de griller. Bon, vous faites dorer vos oignons un petit peu, hein. Vous faites revenir vos oignons de façon à ce qu'ils soient quand même dorés. Et puis ben, on se retrouve après. Pendant que ça revient, un petit verre de kéfir, hein, forcément. Allez, on rajoute la crème fraîche, vous voyez, hein, ils sont bien revenus, bien dorés. Donc là, vous rajoutez, enfin la crème fraîche, la crème liquide, pardon. Pas beaucoup, hein, c'est juste pour donner du goût et un peu de moelleux. Hein. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Faut pas exabuser, hein, quand même. Voilà. Vous laissez réduire gentiment. Alors, vous mettez plutôt à feu doux. Et vous laissez réduire la crème avec les oignons. Comme ça, ça nappe les oignons bien comme il faut. Et une fois que ça aura bien nappé les oignons, on pourra les mettre sur les tartines.
Voilà, donc du coup, maintenant que vous voyez, ça a nappé bien comme il faut les oignons, vous prenez un peu de votre, on va dire, votre garniture oignon crème, là, et vous étalez sur, hop, sur votre tartine. Après, encore une fois, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez les... Allez, les... Comment dire, vous faites des tartines vraiment à ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est une base que je donne parce que nous, on la fait régulièrement et que ça a le côté, on va dire, pratique dans le sens où bah, c'est rapide, c'est pas compliqué, c'est pas prise de tête et en général... Ça fait plaisir à tout le monde, donc. Alors, il y a certaines tartines qui auront que de la crème, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Parce que, par exemple, mon fils, lui, n'aime pas, il n'aime pas les oignons. Ouh, je veux plus si j'embarquais tout avec moi. Ah, si j'embarque tout avec moi, je suis dans le caca. Hop. Donc là vous mettez, donc comme je vous disais, hein, vous mettez donc les oignons, vous les étalez bien. Vous pouvez, même avec le mélange crème, oignon, bah, pourquoi pas mettre des petits champignons de Paris, hein, c'est sympa. Voilà. Ensuite, ceux-là seront à base de crème, du coup. Avec du sel et du poivre. Voilà. Voilà, hop, un petit peu de sel, un petit peu de poivre sur chaque... Qu'est-ce que j'ai fait de mon sel et de mon poivre? Mais ils sont là, voyons. N'importe quoi. Là, c'est vraiment une histoire de, voilà, de pincer... Hop, le poivre, pareil. Voilà. Et ensuite, je vais garnir. Donc, moi, de mon côté, ce sera avec, je vous ai dit, des petits morceaux de fromage à tartiflette et du jambon. Voilà, vous coupez des lanières de jambon. Hop. Vous garnissez
vos tartines. Il n'y a pas besoin que ça soit hyper régulier. Enfin, voilà quoi, hein, je veux dire. C'est du pratico-pratique. Voilà. Hop. Allez, je continue de garnir tout ça, parce que vous avez vu le comment ça se passe. Et ensuite, je coupe des petits morceaux de fromage et on se revoit. Voilà, donc du coup, j'ai posé mes tranches de fromage à tartiflette sur les tartines. Et il n'y a plus qu'à remettre au four et servir pour manger. Voilà. C'est tout pour le moment. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, vraiment, il n'y a rien de difficile, rien de compliqué à faire les tartines garnies. Et je vous dis, on va accompagner ça d'une salade et puis bah, ça ira bien. Ça sera top même. Et voilà. Vraiment, rien de complexe, rien de... Et puis, je vous dis, ça va vite. Par contre, il est peut-être un peu tôt, là. Ouais, 6h30, ça fait un peu tôt, oui. Je vais l'éteindre, tant pis, on le remettra en route. Donc voilà. Ben écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog là. Parce que de toute façon, il n'y aura rien de plus à ajouter. Là, on va, tout à l'heure, là, quand on va faire cuire, voilà, on va manger et après, je vais aller... me doucher, enfin aller à la salle de bain et aller me coucher. Donc autant que je clôture le vlog là pour aujourd'hui. Petit message au fait, parce que j'ai lu vos commentaires, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre, mais j'ai lu vos commentaires, vous m'avez tellement fait rire, enfin j'ai dû mal exprimer les choses quand lundi, lundi pour vous mardi, quand je vous ai fait écouter les bruits qu'on entendait à l'intérieur de l'appartement. C'est pas mes voisins du dessus, je n'ai plus de voisins au-dessus. Les squatteurs qui étaient là ont été délogés par les forces de l'ordre. Mais là, il y a eu des ouvriers qui sont venus. Et quand, bah, c'est normal, hein, quand ils sont venus, ils ont ouvert les fenêtres. Et heureusement, ils ont ouvert les volets. Sauf que quand ils sont partis, en fait, ils ont juste clippé les volets, mais ça battait comme ça. Et en fait, ce que vous entendez sur la vidéo que je vous fais entendre, c'est le vent qui s'engouffre en fait, parce qu'ils avaient laissé les fenêtres ouvertes pour que ça s'aère un maximum. Sauf que en fait, les fenêtres étaient grandes ouvertes, donc les battants de fenêtres claquaient comme ça, et les volets, eux, claquaient comme ça. Donc en fait, non, c'est pas les voisins qu'on entend, c'est juste que ben, les ouvriers en fait n'ont pas pensé au fait qu'il allait y avoir du vent et donc avaient tout laissé ouvert pour aérer au maximum l'appartement. Et donc hier, mon gardien est venu fermer, je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez là, il va falloir faire quelque chose parce qu'une deuxième nuit blanche, ça va pas aller, hein, ça va pas le faire du tout. Donc du coup, il est venu, il est allé fermer les fenêtres, enfin, pardon, fermer les volets, garder les fenêtres ouvertes pour qu'il y ait une aération quand même, mais au moins fermer les volets pour pas que ça claque quand il y a du vent. Voilà. Mais j'ai trouvé ça trop mignon, vos petits messages, et merci beaucoup. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.